Je me suis fait attaquer. La forêt des singes, comme dans le film. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis un peu excitée, je suis pressée de vous montrer donc l'activité qu'on va faire aujourd'hui. On va aller donc à la Monkey Forest à Ubud. Donc on va avoir plein de singes aujourd'hui. Donc là on est sur le parking, on va aller voir au niveau de l'entrée. À Bali il fait pas froid, on a des vestes parce que... On s'est fait tatouer. Et du coup, parce que le soleil va très très vite brûler la peau et donc ça fait mal. Donc on a sorti les vestes, mais je vous promets qu'il fait très très chaud et qu'on préférerait les enlever. N'oubliez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour nous soutenir et qu'on puisse continuer à faire d'autres vlogs sur Bali et d'autres pays qu'on pourra visiter. Et je pense que tu peux envoyer l'info. Exactement, on fait ça. Let's go. Salut, moi c'est Emeline. À travers cette chaîne YouTube, je vais te partager ma joie, ma bonne humeur et plein d'autres choses à travers des vlogs et vidéos. J'ai créé mon auto-entreprise l'année dernière pour enfin profiter de la vie. Je pars voyager avec mon chéri à l'étranger. Nous partons au mois de décembre en Indonésie. Donc n'hésite pas à suivre nos aventures. Abonne-toi et puis je te dis à très vite. Ça y est, nous avons passé l'entrée donc de la Monkey Forest, nous sommes à l'intérieur. Donc, ça a coûté 160 000 l'entrée, 160 000 ça fait quoi à peu près en euros? Ça fait une dizaine d'euros. Ça fait une dizaine d'euros. Et voilà, là on est parti, on se lance dans la petite aventure de la Monkey Forest. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. Montre à tout le monde comment t'es content d'avoir vu des singes. Je suis contente, mais j'ai peur. Je me suis fait attaquer. Est-ce que c'était sûr? Oui, parce que j'ai pas de chance. Nous avons fini la forêt des singes. Ça y est, ça a été une super après-midi. On a vraiment bien profité. On a pu faire aussi les photos selfies. Donc très impressionnant d'avoir un singe juste à côté de soi. Le prix du coup, pour le prix de la Monkey Forest, j'ai pas trouvé ça très très excessif. Après, faut savoir que si on vient en scooter, faut payer le parking et l'entrée. Après, le parc en lui-même, on y fait le tour en une bonne heure. En une heure, on a fait le tour. Après, on peut rester autant de temps qu'on veut à l'intérieur du parc, il n'y a pas de temps. Donc nous, on est resté une petite heure et après, on est retourné donc à la maison parce qu'il a fait très très chaud. On est allé se baigner, se rafraîchir un petit peu, se reposer. Donc là, on est de retour sur Ubud donc le soir. Là, ça va être l'heure de manger, donc on s'est arrêté dans un petit restaurant qui a l'air plutôt sympa à l'extérieur. Et après, on va s'orienter vers un bar dansant, voilà, finir la soirée. Et pour la journée de demain, ça va se faire un petit peu au feeling, peut-être un temple et une cascade, mais rien de sûr, encore rien n'est fixé. Donc ce sera un peu la surprise pour vous et nous. Voilà. Hello à tous, on se retrouve donc ce matin avec un beau soleil, un magnifique soleil. On va avoir une super journée je pense. Donc hier soir on a vraiment passé une super bonne soirée. On était au CP Lounge, c'est un bar dansant et on a aussi des billards, pardon, j'arrivais pas à trouver le mot. On avait des billards et pour la journée il y a aussi une piscine. Donc vraiment un super endroit. On a bien profité et puis après on est rentré à la maison tranquillement pour se poser un peu plus calmement.
et se coucher après. Donc on a super bien dormi. La nuit un peu courte, mais on a très très bien dormi. Donc là, on finit de se préparer et puis on va partir pour faire donc deux cascades, je pense. Et puis après, on fera aussi un temple. On devait avoir quelqu'un avec nous aujourd'hui, malheureusement elle est malade, donc on va pas pouvoir y aller ensemble, mais donc on va y aller tous les deux avec Alan. Voilà, une petite aventure de plus. Donc on finit de préparer les affaires et puis c'est parti. Bien, après 20 minutes de route, nous sommes donc arrivés à la cascade. Nous avons fait bonne route et donc là, j'ai vu qu'il y avait plusieurs petites choses qu'on pouvait faire ici, mais on va d'abord aller voir la cascade. Ouais. Après notre petite escapade à la cascade, c'était vraiment super cool. Donc pour le coup, on n'avait pas prévu les maillots, comme on a tout juste fait nos tatouages, aller dans l'eau c'était pas recommandé, mais on a quand même craqué et fait quelques photos. C'était vraiment super bien, ça rend très très bien, c'est super joli. Et là, on va manger un petit bout, un petit goûter, boire un coup, et puis ensuite on va voir pour aller voir une deuxième cascade. C'est ça, on va reprendre la route, aller voir une deuxième cascade. Et puis, elle est à combien de temps déjà? Je crois qu'on a une 30-40 minutes de route, hein. Enfin. Ça va aller alors. Donc je vous dis à tout à l'heure. A few moments later. Bien, comme vous pouvez le voir, on n'a pas été voir d'autres cascades. Malheureusement, hier après-midi, il s'est mis à pleuvoir torrent. Donc, on a dû rentrer à la maison. Donc, on vous a pas filmé la suite. La vidéo va se finir ainsi. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré qu'elle ait été un petit peu courte. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Et si vous avez des questions ou des propositions d'endroits où vous voudriez qu'on aille, n'hésitez pas, il y a un lien dans la description. Vous pouvez donc me contacter. Avec un grand plaisir, on vous répondra. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.